et comment. On parle de réparation et on dit qu'il n'y a pas d'argent. C'est quoi? Si par an, depuis 10 ans, on décidait de mettre de côté 2 milliards au lieu de les jeter par la fenêtre, depuis 10 ans, on aurait 20 milliards. Et si ces 20 milliards vont à la réparation, quelqu'un s'est demandé combien et combien on va donner à chacun. C'est d'abord une réparation symbolique, mon ami. Et ensuite, nous avons dit qu'il y a des réparations immatérielles et des réparations matérielles. Pourquoi vous mettez tout sur le fond qu'on n'a pas? Vous n'avez pas d'argent. Mais appelez les gens comme on est venu, que chacun vienne vous dire ici, moi, monseigneur, je vous avais dit en 2007 que tout ce que vous faites là, j'ai pitié de vous. Et vous, tous les religieux, comme main, pour nous tromper, j'ai pitié de vous. Parce que tant que l'État lui-même, qui crée des situations, ne peut pas les réparer et ne veut pas que l'impunité cesse, tout ceci, c'est du spectacle. Ils sont fatigués de ces spectacles. Je voulais même ne pas venir. Je me suis dit, je vais aller encore écouter. Et j'ai écouté ce que j'attends. Donnez-moi 2 milliards pour mes réparations de maison, de ma prison, de mes licenciements. 10 ans, je suis resté. On m'a, à Javoua, un témoin, on m'a licencié de l'université parce que j'ai réclamé les droits des professeurs qui n'avaient pas de droits. Comme j'étais syndicaliste, j'ai osé. Et je leur ai dit, mais vous, les professeurs, là, laissez venir, on va se retrouver autour d'une mutuelle que nous avons appelée mutuelle, c'est moi qui l'ai créée. Mais on m'a licencié avant même que la mutuelle n'ait vu le jour. Bon, après, je suis allé à la fonction publique, on m'a gardé là-bas. On m'a amené, on m'a, après une prison, etc., je suis revenu et on m'a envoyé à l'université, je ne suis pas tué. J'ai encore réclamé et on m'a encore licencié. Voilà le témoignage que je voudrais, le petit témoignage que je voudrais apporter en disant, Monseigneur, j'ai pitié de vous. Allez voir, si vous voulez, on peut faire une délégation après demain ensemble et aller saluer le président de la République et lui dire de nous aider à l'aider. Je vous remercie.